monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du lancement du concours qui commence. Donc nous sommes le 25 juillet et qui durera jusqu'au 25 septembre. Donc pour ce concours, nous allons faire la création ensemble. Voilà, parce que je sais pas comment, je sais pas si. Enfin bref, c'est une création que je veux personnaliser. Voilà. Donc je vais vous montrer. Donc pour ce faire, j'ai pris un morceau de papier colorisé 10-10. J'ai pris un petit Polaroid comme ceci. Le Polaroid de chez Action, le dernier. Je vais faire sortir le chat parce que sinon elle va m'agacer. Donc voilà, c'est ce Polaroid qui vient de chez Action. C'est dans les derniers que j'ai trouvé. Après, je ne sais pas de quand il datait, mais bon. Excusez-moi, je vais faire sortir le chat. Il pleut des cordes, mais c'est pas grave. Hein. Ce chat est fou, c'est pas grave. Mais bon, bref. Donc j'en étais où? Ah oui, j'ai découpé mon Polaroid. Je l'ai découpé dans ce bloc de papier. J'ai pris une feuille. Voilà, Vichy. Et j'ai découpé dedans. Ensuite. Voilà. J'ai pris l'intérieur du Polaroid, en fait. J'ai pris l'autre côté. Donc, je vais venir ancrer tout ça. Bon, après, vous jouez le jeu. Vous le jouez le jeu. Ça me fera super plaisir. Celles qui n'ont pas envie, elles ne sont pas obligées de ce que je vais demander à la suite. Elles peuvent juste faire la création. Mais voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, je vais ancrer mes bords. Je les ancre avec la Distress Oxide Kitsch Flamingo. Voilà. Donc, voilà. Donc ça. Alors je pars un peu à l'improvisation. En fait j'ai eu cette idée en voyant une vidéo de je ne sais plus qui. Je retrouverai. Et je vous mettrai le lien. J'essaierai de retrouver. Qui avait fait un mini album Polaroid. Et je me suis dit ce serait mais trop bien. Si je faisais un truc comme ça. Ben là ça va pas être un mini album. Hein, je vous rassure. Pour mon concours. Donc on va venir coller ce petit carré comme ceci. Voilà. Hop. Sur notre papier. Par-dessus. Je colle d'abord. Donc là, je vais coller une petite photo d'identité de ma fille. Donc ça, si vous n'avez pas envie de mettre votre photo, franchement, ce serait bien. Voilà, de mettre votre photo. Mais si vous n'avez pas envie, vous n'êtes vraiment pas obligé. Donc moi, j'ai pris une petite photo d'identité de ma petite dernière. C'est une photo d'école. Elle est vraiment rikiki minuscule, mais bon. Voilà. Et je vais venir coller par-dessus mon Polaroid. Ça va être tout simple. Voilà. Après, vous le faites comme vous le voulez, mais il faut vraiment qu'il y ait le Polaroid et la photo. Ce serait bien si ce serait tout sur le même modèle. Voilà. Et ensuite, je vais faire un petit trou. Alors, attendez. J'avais préparé ça. Je voudrais qu'il y ait un petit trou. C'est pas du tout un nouveau concept. Hein. Je vous le dis, c'est pas un LC machin. Non, pas un AT machin ou quoi que ce soit. Loin de là. Je voudrais juste qu'il y ait un petit trou à 1 cm, 1 cm. Comme ça, je pourrais tous vous raccrocher. Vous raccrocher. Avec un petit anneau, par exemple. Donc, moi, j'ai pris... Bon, après, la taille du trou, on s'en fiche un petit peu.
principal, c'est que je puisse vous raccrocher avec un petit anneau, tous au même endroit, donc un sur un, vous voyez. Hop. Donc voilà, et ensuite, vous venez décorer comme vous le souhaitez. Et derrière, si celles qui veulent, peuvent rajouter un Polaroid. Voilà, dans le bon sens, ce serait mieux. Ben, on voit mon papier à transparence, donc on peut le coller derrière au même endroit. Et mettre ses coordonnées ici, juste son adresse, son nom, son prénom, son adresse, voilà. Comme ça, je peux me faire un petit album avec toutes les coordonnées des copinettes. Et vous pouvez décorer. Donc moi, je ne vais pas mettre les coordonnées de ma fille, bien entendu, parce que je suis censée les connaître. Étant donné qu'elle vit chez moi. Mais je vais quand même coller mon petit Polaroid et je viendrai décorer derrière. Juste. Oh là 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 là, j'en ai mis partout. Voilà. Donc je vais coller mon petit Polaroid. Hop. Et je viendrai juste décorer ou pas. Je sais pas. De toute façon, c'est celui de ma fille. Je vais pas l'accrocher avec les vôtres. Je vais l'accrocher sur mon mur. Donc voilà, et si vous voulez bien, écrire votre prénom devant ou votre pseudo YouTube. Donc moi, pour ma fille, ben je vais écrire, j'ai fait n'importe quoi, son prénom. Hop, donc moi je vais me servir de ça. Donc voilà, la création elle est simple, c'est un carré de 10-10, un trou à 1 cm, 1 cm. Voilà, sur ce côté. Le Polaroid. Et après, vous une photo. Et après, vous décorez à votre envie. Et derrière, vos coordonnées. Ça, c'est pas du tout un nouveau concept. Hein, il n'y a pas daté, machin, machin, machin. C'est juste pour moi, pour me faire un petit album. Voilà. Je trouvais ça sympa de... d'avoir les photos des copinettes et leurs adresses et leurs photos tout réunis sur un petit support comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre votre photo. Si vous voulez participer mais que vous ne voulez pas mettre votre photo parce que vous êtes comme moi, vous n'aimez pas être prise en photo, c'est pas très grave. Vous mettez... je peux y arriver. Vous mettez, comment dire, une photo de quelque chose qui vous représente. Voilà. Quelque chose qui vous fait plaisir, votre animal, votre loisir préféré, une photo d'une de vos créations, une photo de votre vie, de ce que vous voulez. Voilà. Je ne sais même plus comment ça marche, tellement je m'en sers pas souvent. Alors, je vais essayer. On va voir si ça va sortir. Je ne sais jamais comment il fonctionne, celui-ci. J'ai pas l'impression. Moi, ma fille s'appelle Emma. Voilà, donc on est d'accord, ça n'a pas fonctionné. Il fallait le faire sortir. Donc on va couper. Hop. On n'a que la moitié d'un M et un A. Donc on va recommencer. Voilà, là ça y est. Voilà. Et je vais couper. Voilà. Donc, il y aura son petit prénom. Et maintenant, je vais décorer avec vous. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Mais aujourd'hui, le 14 juillet, il fait très mauvais. Donc, moi, je vais faire une petite décoration assez simple. On va aller chercher des die-cuts dans ce bloc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre à Emma?
vous jure que j'ai hâte de reprendre le travail en fait. Parce que les gosses en vacances, il n'y a pas plus pénible que ça. En plus, les miens ne veulent plus aller chez leur père. Donc avant, j'étais un peu tranquille. Voilà. Maintenant, c'est terminé. Ils ne veulent plus y aller. Enfin, il n'y en a qu'une qui y va. Les autres ne veulent plus y aller. Donc, je ne compte même pas me reposer. C'est net. Donc, voilà. Et en plus, avec le temps qu'il fait, ben, c'est mort, quoi. Ils peuvent pas sortir, ils ne peuvent rien faire. Donc, voilà, voilà. En fait, j'ai bien envie de lui mettre des sucreries. Ah non, la voilà qu'elle veut rentrer. J'en peux plus de ce chat. Après, comme je vous dis, vous faites la déco à votre goût. Et la photo, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas envie, vous ne mettez pas. Voilà. Donc j'enlève un petit peu les certains tours blancs sur les die cuts parce qu'ils sont pas super bien faits. Donc j'essaye d'enlever un peu. C'est pas évident. Mais en fait, c'est tellement mal centré que... Donc voilà, j'espère que ce petit concours, ça vous plaira. Que vous aurez envie d'y participer. Bon, voilà, j'ai trouvé cette petite idée sympathique. Après, comme je vous dis, je peux comprendre. Moi-même, je ne suis pas fan des photos. Enfin, en tout cas, pour moi. Donc, comme vous pouvez... Non, vous verrez pas, là. Mais je vous montrerai après. Ma fille non plus n'est pas fan... Enfin... Quand elle était petite, elle n'était pas fan des photos. Maintenant, je vous avoue qu'elle adore ça. C'est un peu le top modèle de la famille. Bon, je vais voir. Je vais déjà coller ça. Hop. Ma colle est là. Voilà, moi je le fais pour le fun, pour vous montrer un peu l'idée de ce que j'aimerais que vous m'envoyiez. Mais ça n'a pas... je ne vais pas en faire un album. C'est juste... voilà. Hop. Mettre une petite fleur en résine ici. Ça va être vraiment très très simple, hein. C'est juste... Je crois que c'est autocollant. Ça fait tellement longtemps que je ne m'en suis pas servi de mon étiqueteuse que je ne sais même plus. Oui. Hop, on colle son petit prénom. Emma. Ben, vous collez le vôtre, hein, bien entendu.
Vous appelez pas tous Emma. C'est rigolo que des Emma. Quoique non, pas forcément, parce que vu le caractère, ce serait pas forcément toujours rigolo. Voilà, on va mettre un petit macaron ici, on va mettre une petite étoile par ici. C'est vraiment voilà, vite fait pour vous montrer. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre? J'ai pas préparé grand chose. J'ai préparé des petits boutons, mais je vais pas les mettre. J'ai préparé des petites enamel dots, mais non, je vais pas les mettre. Peut-être encore un. Il va falloir que je fasse rentrer ce chat. Bon, ça. Ami des bêtes. On va pas dire ce qu'on pense. Mais des fois, casse les pieds. Je vais mettre le petit mot love. J'aurais bien voulu le mettre en 3D, mais là. Le petit mot love. Un peu bouton. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des petits cœurs comme ceci. Enfin, au moins un. Voilà. C'est vraiment simple, hein. C'est juste pour vous montrer. Attendez, je sais pas. J'avais plus des coupes de feuillage. Bon, je vous mets sur pause 2 minutes, je vais faire rentrer le chat parce qu'elle miaule, ça. Voilà, j'ai fait rentrer mon chat casse-bonbon. J'ai retrouvé mes feuillages, mais je les trouve beaucoup trop gros. Donc, ça ne va pas. J'ai pris un... J'ai reçu ça de scrap de Roro. Il y avait une belle petite fleur en dentelle. Je me demande si je ne peux pas venir la coller ici. Bon, je sais, c'est un peu un mélange. Oh là là. C'est un, une création un peu bizarre. Mais. Voilà. Une déco un peu bizarroïde. Voilà. Et tout ça, est trouvé que c'est bizarroïde. Comme déco. Mais. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous demanderai à peu près de m'envoyer pour le concours. Vous voyez, ma fille n'était pas très contente des photos quand elle était petite. Maintenant, elle adore ça. Mais donc, un cadre 10-10, un trou, un ici, et un Polaroid et une photo. Après, le Polaroid derrière, avec vos coordonnées, ça c'est... voilà, la photo c'est au choix si vous avez envie ou pas envie, mais donc voilà, je résume parce que j'ai encore été interrompue une fois. Donc un carré de 10-10, un trou ici, 1 cm 1 cm, le Polaroid et la photo, et derrière vos coordonnées si vous le souhaitez, bien entendu. Bon, là, je vais dans le petit trou, je vais mettre une petite dentelle. C'est une dentelle que j'ai récupérée d'un envoi. Bien sûr, vous ne mettez pas de dentelle, vous laissez le trou vide. Comme ça, je peux les assembler tous ensemble après.
Voilà, c'est pas la photo, c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas envie de mettre votre petite trombinette, vous ne la mettez pas. Mais voilà, le carré 10-10, le trou, le Polaroid. Et après, vous mettez quand même une photo, une image, ce que vous voulez. Et vous décorez à votre idée. Et vos coordonnées derrière. Comme ça, ça me fait un petit album avec vos petites têtes et vos coordonnées. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Parce que franchement, faire une vidéo avec les gosses ici, c'est quasiment mission impossible. Donc voilà, j'espère que ce petit concept vous plaira. Et que vous serez nombreuses comme à ce concours à participer. Vous faites la déco et le thème que vous souhaitez. Il n'y a aucun problème. Voilà. Ce sera tout pour ce petit concours. Oui, je pense que j'ai tout dit. 10-10, le Polaroid, la déco, la photo, votre prénom et vos coordonnées derrière et le petit trou. Voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.